Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment le chapitre 1, limites et continuité. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre à calculer les limites en forme de taux de variation. Comment réussir les limites sous forme de taux de variation? Chers amis, lorsque vous rencontrez ces cas de limites, ne stressez pas. Prenez le sang-froid à analyser le sujet. Qu'est-ce qu'on appelle taux de variation? C'est la limite lorsque x tend vers un nombre réel de f de x moins f de ce réel sur x moins ce réel. Alors dans ce cas, vous trouvez forcément une réponse. Soit la réponse est un réel, alors il s'agira donc de notre information technique de taux de variation. Chers amis, dans cette vidéo, j'aurai pour but de bien vous décortiquer quelles sont les techniques à suivre pour faire le taux de variation. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement la logique. Objectif, apprendre aux apprenants à utiliser la technique de taux de variation appelée norme dérivée. Quelle formule à maîtriser? La limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égal à f' de a. Exercice. En 0, la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de cosinus x sur x moins pi sur 2. En 1, la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de cosinus x moins 1 demi sur 3x moins pi. En 2, la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de tangent de x moins 1 sur x moins pi sur 4. En 3, la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de sinus de x moins racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 4. Et en 4, la limite lorsque x tend vers pi de cosinus x plus 1 sur x moins pi. Chers amis, nous allons passer donc à la résolution de cet exercice. Résolution. Ici, il s'agira de calculer les limites. Et avec les techniques, avec la technique appelée taux de variation. Alors, à présent, le premier cas appelé cas numéro 0. La limite, lorsque x tend vers pi sur 2 de cosinus x sur x moins pi sur 2. Lorsque vous rencontrez ce cas de limite, faites forcément intervenir la propriété de taux de variation. Mais comment se fait? Très simple. L'on aura à écrire limite lorsque x tend vers pi sur 2 de cosinus x moins 0, car cosinus de x moins 0 nous donne forcément cosinus de x sur x moins pi sur 2. Une fois que vous arrivez à ce stade, vous direz que on a la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de cosinus x moins sur x moins pi sur 2. Et chers amis, vous venez impérativement voler cosinus. Une fois que c'est fait, vous venez impérativement prendre la valeur située proche de x. Il s'agira donc de pi sur 2. Et vous direz, cosinus pi sur 2 donne à l'aide de la calculatrice combien? Cosinus pi sur 2 donne à l'aide de la calculatrice 0. L'hypothèse est en train de sortir. Quelle hypothèse est en train de sortir? C'est la propriété suivante. Limite, lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a égale à f minimum de a. Alors, chers amis, on remarquera qu'on a cosinus de x qui prend la place de f de x, soustrait, et on a cosinus pi sur 2 qui prend la place de f de a sur x moins pi sur 2 qui s'appelle x moins a. Une fois que l'on maîtrise cette hypothèse, alors on aura donc à chercher la dérivée de la fonction tout en remplaçant tous les x par ce fameux a. Dans notre cas ici, le a est appelé pi sur 2. On aura donc à savoir que l'hypothèse f de x moins f de a sur x moins
moins A, lorsque X en vers A, donnera F pivot de A. Donc l'hypothèse cosinus X moins cosinus pi si 2, sin X moins pi si 2, donnera donc F pivot de pi si 2. Alors on aura à écrire F pivot de pi si 2. Alors une fois que vous ne connaissez pas la réponse, cherchez à calculer F prime de X. Alors, calculons F prime de X. Une fois que vous trouvez F prime de X, alors vous remplacez le X par pi si 2. On aura donc F prime de X qui serait donc égal à cosinus X que vous devez dériver. D'après le cercle trigonométrique, sinus alpha moins sinus alpha cosinus alpha moins cosinus alpha. Dans ce cas, quelle est la dérivée de cosinus? La dérivée de cosinus nous donnera moins sinus. On aura donc à écrire f prime de x qui donnera donc moins sinus x. Une fois que l'on a trouvé la dérivée, il faudra donc remplacer tous les x par pi sur 2. On aura f prime de pi sur 2 est égal à moins sinus de pi sur 2. Pourtant, sinus pi sur 2 donnera comme réponse 1. Suivez attentivement la suite. F prime de x égale à moins sinus x. On aura donc f prime de pi sur 2 qui donnera moins sinus pi sur 2. Or, sinus pi sur 2 nous donne 1. Dans ce cas, on aura à écrire f prime de pi sur 2 donnera moins 1. Une fois que c'est fait, l'on dira que la limite, lorsque x tend vers pi sur 2, de cosinus x sur x moins pi sur 2 donnera moins 1. On vient d'étudier le cas 0. Allons donc au cas numéro 1. Le cas numéro 1 nous dit que la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de cosinus x moins 1 demi sur 3x moins pi. Chers amis, comment procéder? Lorsque vous décidez de calculer la dérivative à la limite de cette fonction, n'oubliez pas que la technique utilisée doit être taux de variation. Il ne doit pas avoir un nombre gêné, le x. Dans ce cas, l'on obtiendra limite lorsque x tend vers pi sur 3 de cosinus x moins 1 demi sur quel est le nombre qui gêne le x? Il s'agit de 3. 3 facteurs de x moins pi sur 3. Une fois que c'est fait, 3 fois x, on obtient 3x. 3 fois moins pi sur 3, on obtient pi. Alors, dans ce cas, l'on dira que limite, lorsque x tend vers pi sur 3, de cosinus x moins 1 demi sur 3x moins pi, peut donc s'écrire limite, lorsque x tend vers pi sur 3, de 1 tiers coché, de telle sorte que 1 multiplie quel élément pour avoir tout ça? Cosinus x moins 1 demi. Quant à celui du bas, on aura x moins pi sur 3. Une fois que c'est fait, cher ami, on aura donc à écrire limite lorsque x tend vers pi sur 3 de cosinus x moins 1 demi sur 3x moins pi est égal donc à limite lorsque x tend vers pi sur 3 multiplié par 1 tiers coché de à présent cosinus x. Une fois que c'est fait, vous prenez le cosinus et vous transformez 1 demi là, vous enlevez, vous voulez prendre pi sur 3. On aura pi sur 3 sur et vous mettez x moins pi sur 3. De telle en sorte que le cosinus pi sur 3 donnera encore 1 demi. Vous voyez comment faire? On a cosinus x moins et vous prenez le cosinus. Vous venez prendre pi sur 3, vous mettez, car cosinus pi sur 3 nous donne 1 demi. Alors, cette forme est sous la forme suivante. Limite. Lorsque x tend vers a de f de x moins f de a,
sur x moins a égale donc à f prime de a. Simplement, nous voyons clairement qu'on a f de x moins f de a sur x moins a. On aura donc limite. Lorsque x tend vers x fois 2 cosinus x moins 1 demi sur 3x moins pi serait donc égal à 1 tiers multiplié par la limite. Lorsque x tend vers x 3 pourrait être décalé de 1 tiers, alors projet de cosinus x moins cosinus x 3 sur x moins x 3. Alors, cher ami, si limite, lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a donnant f prime de a, alors cette écriture peut donner encore quel élément? On aura donc à dire que limite, lorsque x tend vers x 3 de cosinus x moins 1 demi sur 3x moins pi serait donc égal à 1 tiers multiplié par f prime de pi sur 3. Car on a signifié que la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a donne f prime de a. Alors cosinus de x moins cosinus pi sur 3 lorsque x tend vers pi sur 3 de x moins pi sur 3 donnera aussi à son tour f prime de pi sur 3. Alors chers amis, ici l'on doit calculer f prime de x. Cherchez f prime de x, voici donc f prime de x. F prime de x égale donc à cosinus sur x que nous devons définir. Dans notre cercle trigonométrique, sinus est là, moins sinus ici, cosinus là, et moins cosinus là. Quelle est la dérivée de sinus? C'est cosinus. Quelle est la dérivée de cosinus? C'est moins sinus. Dans ce cas-là, f prime de x serait donc égal à moins sinus x. Nous allons donc remplacer tous les x par pi sur 3. On aura f prime de pi sur 3 qui serait donc égal à moins sinus de pi sur 3. À l'aide de la calculatrice, sinus de pi sur 3 nous donne racine de 3 sur 2. Alors, avec la négation, donnera donc moins sinus de pi sur 3, donnera donc moins racine de 3 sur 2. Cette écriture trouvée ne doit pas être oubliée de multiplier par 1 tiers. On aura donc limite. Lorsque x tend vers pi sur 3, de cosinus x moins 1 demi sur 3x moins pi nous donnera donc 1 tiers multiplié par notre fameux moins racine de 3 sur 2. Alors 1 fois racine de 3 donnera racine de 3 multiplié par moins, on aura donc moins racine de 3 et 3 fois 2 donnera donc 6. Une fois que c'est bon, on aura à l'écrire limite lorsque x tend vers pi sur 3 de cosinus x moins 1 demi nous donnera sur x moins pi nous donnera encore racine de 3 sur 6 et avec un signe moins. Une fois que c'est fait, passons encore au prochain cas. Il s'agira donc du cas numéro 2. Le cas numéro 2, on a la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de tangente de x moins 1 sur x moins pi sur 4. Chers amis, comment procéder? Toujours la même technique. On aura donc à écrire une limite lorsque x tend vers pi sur 4. Une fois que c'est fait, on aura à écrire une tangente x, soustraire et à prendre tangente. Une fois que la tangente est prise, venir prendre encore pi sur 4. Alors, tangente pi sur 4 nous donne 1. Vous voyez comment la technique est très simple. Vous prenez tangente, vous prenez toujours le x là, soustrait à tangente et vous prenez l'angle pi sur 4. Sur x moins pi sur 4. Une fois que c'est fait, on aura encore comme écriture limite. Lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a nous donnera f prime de a. Alors, si la propriété devant nous existe, alors ça donne f prime de a. Donc cette propriété-là va nous donner
4. On aura limite lorsque x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4 nous donnera donc f' de pi sur 4. Dans ce cas-là, cherchons donc à calculer tangente x en termes de dérivée. Alors, de x qui est égal à tangente qui doit être primée. Alors, quelle est la dérivée de tangente? La dérivée de tangente est 1 plus 1 tangente carré de x. Voici donc la dérivée de tangente. Une fois que la dérivée est trouvée, cherchez donc à calculer f' de pi sur 4. On aura donc à écrire 1 plus tangente et remplacer le x par pi sur 4. Le tout élevé au carré. On aura encore à écrire 1 plus tangente pi sur 4. À l'aide de la calculatrice, tangente pi sur 4 nous donnera 1. On aura 1 plus 1 au carré qui donnera donc 2. Une fois que c'est fait, nous connaissons désormais la nouvelle écriture de f' de pi sur 4 qui nous donnera 2. Remplaçons encore par l'hypothèse. On aura encore à situer notre information. Limite. Lorsque x tend vers pi sur 4 de tangente de x moins 1 sur x moins pi sur 4 nous donnera encore la réponse 2. Chers amis, vous voyez comment ce n'est pas compliqué. Très simple. Première technique, remplacez d'abord cette écriture-là. Vous prenez tangente. Une fois que vous avez ciblé tangente, vous remplacez le x par celui du bas. Une fois que c'est fait, la propriété limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a donnera f' de a. Suivez donc le prochain cas. Cas numéro 3. On a la limite. Lorsque x tend vers pi sur 4, sinus de x moins racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 4. Chers amis, comment allez-vous procéder si vous maîtrisez les mêmes techniques? On aura donc à écrire limite. Lorsque x tend vers pi sur 4, sinus de x soustrait par de fraction, on aura x moins pi sur 4 et on aura à prendre sinus, si vous avez remarqué la technique, et on aura à prendre pi sur 4 là. Une fois c'est fait, on a notre écriture limite. Lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égal à f' de a. Vous voyez comme c'est très simple. Chaque fois, vous essayez de voir si ça ressemble à taux de variation. Alors, sinus de x représente f de x moins sinus de pi sur 4 représente moins f de a sur x moins a qui représente x moins pi sur 4. Alors, on aura donc à calculer f' de x. On aura f' de x égale à f' et notre x là, le voici. Dans notre cas, f de x est égal à sinus x. Chers amis, sinus x moins sinus x, cosinus x moins cosinus x. Chers amis, quelle est la dérivée de sinus? La dérivée de sinus est cosinus. On aura écrit f' de x serait encore égal à sinus x que l'on doit dériver. F' de x serait donc égal à sinus où nous allons remplacer le x par notre fameux cas. Si f' de x est égal à sinus x, alors, si l'on pense à la dérivée de sinus, qu'est-ce que nous pouvons par la suite? Nous pouvons dire d'après le cosinus. Alors, sa dérivée donnera encore cosinus. On aura f' en remplaçant les x par pi sur 4. On aura cosinus pi sur 4. Alors, cosinus pi sur 4 ne peut que nous donner racine de 2 sur 2. Alors, on vient de trouver cette information. On aura à écrire limite lorsque x tend vers pi sur 4 de sinus x moins racine de 2 sur 2
sur x moins pi sur 4 nous donnera en réalité f prime de pi sur 4. Par notre logique, comme f prime de pi sur 4 nous donne racine de 2 sur 2, on aura limite lorsque x tend vers pi sur 4 de sinus de x moins racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 4 nous donnera donc la réponse trouvée. Racine de 2 sur 2. Passons donc au dernier cas, chers amis. Le dernier cas, il s'agit du cas numéro 4. Limite, lorsque x tend vers pi de cosinus x additionné à 1 sur x moins pi. Chers amis, dans un premier temps, on aura limite lorsque x tend vers pi de cosinus x soustrait à moins encore 0. Car moins 0 fois moins 0, on aura plus 1. Le tout sur x moins pi. Avec la même technique, on aura à écrire limite lorsque x tend vers pi de cosinus x moins. Alors, on a aussi cosinus de pi. Car cosinus pi nous donne moins 1. C'est effectivement bon. Alors, sur x moins pi sur pi, simplement. Une fois que c'est fait, on aura donc à écrire limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a qui nous donnera f de a. Alors, dans un premier temps, on doit chercher à calculer f prime de x. Alors, f prime de x serait donc cosinus x qui devra passer à la dérivée. Chers amis, si l'on annonce cette trigonométrie sinus de x, cosinus de x, moins sinus de x, moins cosinus de x, que vaut la dérivée de cosinus? La dérivée de cosinus vaut moins sinus. On aura donc à écrire moins sinus sur x. Et désormais, f prime, où nous allons remplacer les x par pi. On a f prime de pi, donc on aura moins sinus pi. Or, sinus pi nous donne 0. Or, dans l'aide de la calculatrice, sinus pi nous donne 0. Donc, on aura f prime de pi qui nous donne 0. Une fois que c'est fait, on aura à écrire limite. Lorsque x tend vers pi de cosinus x additionné à 1 sur x moins pi, nous donnons finalement 0. Chers amis, j'ai été très content de partager cette vidéo avec vous. Cette vidéo avec le but d'étudier la technique de taux de variation. Qu'est-ce qu'il faut savoir? La limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a nous donne f prime de a qu'on appelle le nombre dérivé. Chers amis, lorsque vous rencontrez certaines limites, ne soyez pas pressés, prenez votre temps, analysez et savoir quelles propriétés appliquer. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.